Bien, non? Connecté, frère. Magnifique. Bon, on va vous présenter le jury, mais le mieux, c'est que je repasse le micro. Ils vont se présenter, s'il vous plaît. JP. Alors, ben, bienvenue à tout le monde. Merci à Nordine de m'avoir invité. Ben, moi, je m'appelle Jean-Pierre Douterluine, à la JP, c'était mon nom de danseur. Donc, j'ai commencé en 82, donc je suis un papy du hip-hop. J'ai participé deux fois à l'émission hip-hop de Sydney. Et après, j'avais gagné le concours de les championnats du Nord de Break en 85. Et après, j'ai commencé à transmettre le hip-hop à partir de 88, 89. Et puis, notamment, Harvey, dans la rue de la danse, et pas le Fit Power. Nordine, Kamel, enfin j'ai vu toute la deuxième génération commencer puis évoluer. Et puis aujourd'hui, ben, je viens voir le travail des élèves, de mes anciens élèves. Et puis ben, ça me fait plaisir de voir que le hip-hop continue encore. Et puis ben, voilà, ben, je pense que... Après j'ai monté ma compagnie Funk Attitude et aujourd'hui je me suis reconverti dans les claquettes. Donc voilà. Bonjour, alors moi je suis Delphine Tellier, moi je fais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je... mon âge. Alors moi j'ai commencé la danse dans la région du Pas-de-Calais, j'ai ensuite intégré le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris à mes 14 ans. Je suis professeure de danse, chorégraphe, danseuse, interprète, j'ai dansé pour Angelin Préjlocage, Brumachon. Je forme actuellement, j'ai une école de danse sur l'île qui s'appelle DCI. J'enseigne, je forme aux examens d'aptitude technique et voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Frédéric Tribala, j'ai dirigé pendant 16 ans et j'ai présidé aussi une structure qui s'appelle Dans la rue la danse, qui est née dans les années 80, exactement 86, qui a vu passer à peu près tous les danseurs, dont Nordine d'ailleurs, et d'autres danseurs qui sont dans la salle encore, qui a travaillé avec JP, qui est un des pionniers dans la région, avec d'autres moins connus, moins illustres que Jean-Pierre. Mais il faut bien se dire que si tous ces gens-là n'avaient pas été là, on n'aurait pas une région phare dans le domaine des danses urbaines et on n'aurait pas cette qualité de danse aussi aujourd'hui chez les danseurs hip-hop, y compris professionnels, si on n'avait pas eu des gens comme Jean-Pierre, que vous pouvez réapplaudir. Bravo ! Voilà, la structure dont je vous parle, elle a à la fois été une école, une compagnie de danse professionnelle, elle a été aussi productrice d'événements chorégraphiques comme le Tremplin Régional de Danse Urbaine. On a aussi édité à une certaine époque des magazines, dont un magazine qui s'appelait Hip Hop Move. On a édité des documents pédagogiques, on a fait de la formation professionnelle, etc., etc., etc. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Et encore merci d'être venus aussi nombreux. À tout de suite. Merci de pouvoir vous laisser prendre place, cher jury. Un grand merci à un jury au top. Donc voilà, tout a été dit. On peut démarrer, oui. Mon premier professeur, JP, Jean-Pierre, effectivement, j'ai été aussi dans l'art et la danse. Et un grand merci à vous. Bon, on y va ou pas? Allez! Donc, on répète, s'il vous plaît, en catégorie duo, Anaël, la scène est à toi.